Un individu cagoulé a fait irruption hier en fin de journée au 260 rang Sainte-Henriette à Saint-Lin-Laurentide. Vers 15h45, un homme s'est introduit dans la maison habitée par une dame âgée de plus de 90 ans. Après s'être emparé d'objets divers, l'individu a imaillé partir avec la fille de la victime, qu'il a même poursuivi à l'extérieur de la maison. Selon nos informations, le malfrat aurait fait comprendre à sa poursuivante qu'il était temps qu'elle cesse ce manège. Selon Benoît Richard, agent d'information de la Sûreté du Québec, ce méfait a tous les aspects d'une évasion de domicile. Jusqu'à maintenant, dit-il, les conditions sont réunies. Une introduction par effraction, la victime ne connaît pas son agresseur, il y a eu vol et violence. L'homme aurait pris la fuite à pied. L'individu est âgé d'environ 40 ans, mesure 1,83 m et pèse 68 kg. Au moment du vol, il portait une cagoule et un manteau noir ainsi qu'un jean de couleur pâle. Signe particulier, la boucle de sa ceinture était ornée d'une tête de mort rouge. Une chasse à l'homme a suivi l'incident et, malgré leur rapide intervention, les policiers n'ont pu mettre la main au collet de l'individu. Durant ce branle-bas de combat, les patrouilleurs ont bel et bien arrêté un individu, mais après des vérifications, l'homme a été relâché. Ici Jean Joubert pour l'Express Montcalm.